mais t'as droit à fait que t'es un graffeur. Tu sais. Pochoiriste. Tu utilises le négatif du propre sur le sale. En fait, en utilisant, en imposant un pochoir qui est déjà perforé, les parties qui sont sélectionnées vont subir un décapage afin de refaire sentir le propre sur le sale. D'accord, donc en fait, tu nettoies les. Sur les monuments historiques comme à Rouen, à Paris. Voilà, sur les lieux qui sont aussi chargés d'histoire. D'accord. Donc, ton inspiration, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, comment t'en es arrivé à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à... Pourquoi tu prends pas des bombes de peinture? Qu'est-ce qui t'a... Je veux dire, t'es arrivé un jour devant le mur et t'as envie, tu as envie de le nettoyer? Comment c'est passé? Alors, pas du tout. En fait, justement, je voulais décider au fusain sur un mur. Et il se trouve que le fusain a la même couleur que la pollution incrustée sur les murs. Ouais. De plus, qu'il y avait un contrat de volet qui était ancré dessus depuis des années. Leur fond entier a un volet sur, qui était resté depuis des années sur le mur. Il y a du propre. En fait, ça conserve le propre depuis des décennies. Et là, j'ai constaté qu'il y avait ça fait un effet de contraste. Et c'est là que ça m'a donné son activité. C'était pour ton premier projet, ta première création, ça a été où? C'était quoi? Ma première création, c'était à Étampes. Étampes? T'as vu Étampes? Étampes. D'accord. Et c'était quoi? C'était où? Ma première création, moi c'était, je l'avais fait dans ma cage d'escalier, partie dans la cage d'escalier. T'as fait de la débarrassation. Oh, de la débarrassation. Selon les. Qui veut voir la débarrassation? Enfin, qui veut voir la débarrassation? T'as pas de soucis avec les retours au niveau de la police, par exemple? C'est qu'est-ce que c'est? Les croises. Ça dépend. Des fois, je tombe sur des flics. Non, c'est ouvert. En général, ça va. Ils me prennent. Quand tu saves que c'est du nettoyage, ils vont pas me prendre la tête. Mais après, tout dépend. Des fois, je tombe sur. Ça dépend si je tombe sur quelqu'un de masculin. Il y a toujours un abruti pour faire chier. Ouais, forcément. Il y a des remarques au niveau justement de ces critiques-là, par exemple. Qu'est-ce que disent les gens qui prennent ça? Tu vois comment ça va, par exemple? Les vieux, les réacs, quoi. Les psychorigines. Ils pensent tout simplement que c'est la dégradation. Voilà, les technocrates. Ouais, un peu comme le graffeur avec sa bombe. Voilà, qui font pas la différence entre l'aspect nettoyé et l'aspect bombé. Les touristes, t'as du retour? Ah, les touristes adorent. Ils adorent. Les touristes adorent. Sur la place de démarcher, par exemple. Voilà, je trouve que c'est plus légitime d'être jeune d'âge.
c'est mieux Jeanne d'Arc que Carrefour. E-commerce.com. Ouais, d'accord. Surtout sur l'arche. Bah écoute, c'est la rançon de l'avoir. En tout cas, moi, ce que je veux dire, écoute, c'est juste que je te souhaite que d'être de plus en plus copié. Et puis, c'est tout ce que je te souhaite. Parce qu'après tout, t'es quand même... Mais bon, faut qu'ils sachent que c'est vrai, faut qu'ils sachent que... Et que ce soit copié, c'est pas grave. Mais qui touche les murs, que j'ai sélectionné. Mais les Français appartiennent à tous les Français, je dirais, tu oui, prends pas de pas. Ce que je veux expliquer, c'est que les murs qui sont chargés d'histoire, chargés d'âme, oui, ça c'est vrai. Et ça, dont les diverses symboles sont plus légitimes que leur publicité banale. Mais non, mais c'est clair, vous êtes ce message-là est clair. Voilà. Okay. Il n'y a pas photo entre Jeanne d'Arc et. Il n'y a pas photo, il y a poussière. Voilà. Il y a poussière d'histoire. Je vais saluer la mémoire.